Nous devons continuer vraiment à travailler dans cet esprit, nation d'abord, et avant de parler de qui fait quoi dans le secteur privé ou au niveau de l'État. Donc on est à votre disposition vraiment pour cela. Nous avons vu également que vous financez beaucoup vraiment les acteurs. Cela est très important parce que je sais qu'au niveau de c'est Tiaro, hein, avec les Yaya et Bayem. Bon, je sais qu'elles apprécient beaucoup parce qu'elles ont souvent beaucoup de petits problèmes au niveau de leurs exploitations. Et les appuis que vous apportez, c'est quelque chose de salutaire pour ces femmes. Moi, j'ai eu à beaucoup travailler avec les femmes transformatrices à Joal, à Kayar, à Fastboy. Bon, parce que j'étais avec les femmes, je vais la politique de promotion féminine de notre pays, mais je sais qu'elles ont besoin d'être appuyées parce que c'est un travail extrêmement difficile qu'elles font, et souvent avec les revenus qu'elles ont tirés n'étaient pas de grands revenus. Et je pense qu'aujourd'hui, si on les appuie, on renforce leur capacité. Ce que vous avez fait par exemple avec l'ITEA, en mettant à leur disposition des outils de travail qui sont performants, comme les aires de séchage, les fours également. Je crois que tout cela peut les appuyer, bien que ça ne soit pas vraiment votre mission première. Mais je pense qu'en tout cas, elles le disent tout le temps, dans toutes les réunions où on est, elles saluent les efforts qui sont en train de se faire au niveau du COSEC pour les appuyer. Et avec le secteur privé également, je pense qu'on doit continuer à collaborer, à travailler ensemble. Dans le cadre, donc, dans tous les secteurs qui concernent le secteur privé, donc, par rapport à ce qui est attendu du COSEC. En tout cas, je suis à votre disposition. Je voudrais saluer la bonne entente, hein, de travail avec le personnel, avec tout le monde. Et nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre écoute pour transmettre en tout cas au président de la République, qui m'a demandé également de vous féliciter parce qu'il sait parfaitement bien ce que vous êtes en train de faire, tous les efforts que vous menez.